Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes trois derniers chefs-d'œuvre dessinés sur Procreate. Préparez-vous, ça va être épique. Alors, voici Meliodas de Sven Dedlisin. Mais pas n'importe quel Meliodas, oh non. Celui-ci a une aura démoniaque qui ferait frémir même les plus courageux. Regardez ses yeux. On dirait qu'il a trouvé la playlist de musique hardcore de Zeldry. J'ai mis tout mon cœur et mon âme démoniaque dans ce dessin. Les ombres, les lumières, tout est là pour vous donner des frissons. Et maintenant, place à Nezuko de Demon Slayer. Mais attendez, elle n'est pas juste en mode démon. Elle a une corne. Oui, vous avez bien entendu, une corne. Parce qu'être un démon avec des crocs et des griffes, c'est bien, mais une corne. C'est carrément stylé. Imaginez-la en train de se coiffer le matin, tiens, où est mon peigne à corne? J'ai adoré travailler sur les détails de sa transformation. Pour la rendre majestueuse et un peu effrayante. Et pour finir en beauté, voici des culs de Mi Hero Akad utilisant le Haunfora à 100%. Oui, 100%. Pas 99, pas 50. Mais bien 100%. Il est prêt à tout casser, même votre écran, désolé pour ça. Dames éclairs vers partout, des muscles tendus. C'est comme si vous pouviez sentir la puissance à travers l'image. Sérieusement, ce dessin est tellement intense qu'il pourrait presque vous donner des super-pouvoirs rien qu'en le regardant. Voilà, c'était mes derniers dessins sur Procreate. Si vous avez aimé ces œuvres, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines créations. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, je dessinerai Pikachu en mode Super Saiyan. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques.